Salut la compagnie, ici Marco et dans cette vidéo on va faire l'analyse de l'épisode 23 de la saison 2 de Nanatsu no Taizai. Alors, c'est un épisode comme tous depuis quelques semaines que j'attendais avec impatience parce que c'est vrai que depuis l'épisode où il y a eu les 10 commandements qui ont affronté Meliodas, je trouve que toute la série envoie du lourd, du très lourd. Même si tout n'est pas parfait, c'est vrai que ça me hype à chaque fois. Et là, cette semaine, c'était pareil. On avait fini la semaine dernière avec Meliodas qui avait débarqué et qui était visiblement sorti du purgatoire pour aider Elisabeth. Et je me demandais ce qu'allait se passer après, comment allait réagir Mons Pit et Derrieri, et qu'est-ce qui allait se passer du côté de la ville de Lyonnais, là, où il y avait, si je dis pas de bêtises, Dreyfus et Greyhound qui étaient en train d'attaquer la ville, de l'assiéger. Et on va voir ça tout de suite dans cette review. On commence l'épisode avec les retrouvailles entre Elisabeth et Meliodas, qui sont pas très émouvantes en fait. Elles sont plus comiques qu'autre chose. C'était un parti pris, hein, pourquoi pas, même si je trouve que c'était intéressant de voir Elisabeth fondre en larmes devant le retour de Meliodas. Mais finalement, ils ont pas parti là-dessus. On est plutôt parti sur Meliodas qui tripote Elisabeth parce qu'elle a une nouvelle tenue pour voir si elle est affriolante. Alors, comme d'hab, hein, on voit trois Meliodas, il y en a un qui tripote les seins, l'autre sein, et puis le dernier qui a la tête dans sa jupe. J'ai trouvé ça très drôle, avec à son apogée le moment où Elisabeth, elle dit « Allez-y, Meliodas, plotez-moi, faites-vous plaisir !» Et où Zarathras, qui est dans le coin, hein, et qu'on avait complètement zappé, il tousse pour qu'on n'oublie pas sa présence, ce qui fait sursauter Elisabeth, et puis Meliodas, comme si dans la tête, qui fait « Oh, salut Zarathras, ça fait longtemps !» Franchement, ce passage-là, il était très marrant, j'ai trouvé ça sympa, même si c'est vrai que j'aurais aimé en apprendre plus sur ce qui s'est passé pour Meliodas, parce que du coup, on ne sait toujours pas ce qu'il y a eu au purgatoire, mais vraiment, le passage, ils ont mis l'accent sur l'humour plutôt que sur les sentiments, et je trouve que c'était pas trop mal fait, franchement, les deux m'auraient plu, mais ce passage-là était vraiment très drôle. Mais il va être interrompu par Derrieri, qui va taper Mamao, comme ça, un grand coup dans la gueule, là, qui va la faire complètement chuter, et détruire le sacro-saint bar. Le sacro-saint bar, mon Dieu, mais qu'est-ce qui va lui arriver? Et puis après, elle va vouloir enchaîner direct, alors... Je sais pas si elle visait Hawk ou si c'est Hawk qui s'est mis en travers de son chemin. Je pense que c'est Hawk qui a empêché qu'elle retape Mama Hawk. Moi, c'est comme ça que je le vois, mais je pense que c'est sujet à interprétation. Et donc, Hawk, il arrive et il se prend un autre coup de Derrieri et il va le dingue à des kilomètres. Alors, je le précise ici parce que je trouve que c'est important. C'est pas précisé dans l'animé et ça me semble totalement illogique. Mais pour avoir lu après coup le manga, je me suis rendu compte en fait que Derrieri, elle avait augmenté son combo en fait en tapant des démons qui étaient sur le passage, là, ces fameuses bières. Ce qui fait que quand elle attaque Mama Hawk, elle est déjà à 52 ou 53, je crois, de combos. Et si vous vous rappelez bien, Mons Pit, il a dit que Meliodas, c'était le premier humain ou le deuxième, je sais plus, enfin, la première personne, je crois, à avoir survécu à plus que 51 de combos de la part de Derrieri. Donc là, on se dit que si Mama Hawk, elle n'est pas morte, elle a survécu à un 52, et si Hawk n'est pas mort, il a survécu à un 53. Ça veut dire que on passe de d'un coup Derrieri qui a fait des trucs qui, où personne n'a jamais survécu à Meliodas, Mama Hawk et Hawk qui survivent. Donc soit en fait avant elle le faisait que contre des merdes, soit c'est eux qui sont surpuissants, Hawk compris. Et c'est ça qui est ouf, c'est de se dire que Hawk il est tellement puissant maintenant, et j'ai du mal à jauger ce que ça veut dire en fait dans les faits, que bah il survivra en fait à l'attaque de Derrieri avec 53 de combo. C'est quand même hallucinant. Hein. Et puis après bon bah... Meliodas va se jeter dedans, il va se battre avec une telle désinvolture face à Derrieri. Alors, on s'en rend pas compte, mais Derrieri, elle essaye de monter ses combos, hein. Mais à chaque fois, Meliodas, il l'interrompt. Il la tape, il la part. Là, le dernier coup, c'est le petit coup de cul, là. C'était tellement rigolo. Et puis après, on a Mons Pit qui va en profiter. On va avoir un mini flashback, en fait, où on sait que c'est prévu de la part de Mons Pit et de Derrieri, où il va envoyer son plus fort pouvoir sur Meliodas. Et Meliodas qui va dire, bon... Tu crois vraiment que ça marchait face à moi? Et bam, il dégage derrière avec pour qu'elle rejoigne Mons Pit. Il fait le fall counter et il rebalance l'attaque de Mons Pit qui est censée être sa plus puissante attaque sur leur gueule à tous les deux. Et après ça, visiblement, de ce qu'on voit, enfin, du peu d'informations qu'on a sur l'issue de tout ça, parce que tu te dis que eux, ils doivent être dans la merde, hein, si leur but c'était de tuer Meliodas comme ça, et que Meliodas, il a renvoyé un sort encore plus puissant, décuplé par le full counter sur les deux. Il y a des chances qu'il meure, même si ça m'étonnerait beaucoup. Et on a, si je dis pas de bêtises, Dreyfus, là, qui dit, enfin Frodrine, qui dit « Ah, je ne sens plus l'aura de Mons Pit et de Derrieri », ce qui est quand même très très mauvais signe pour eux. L'action va ensuite se focaliser sur la capitale de Lyonnais, si je dis pas de bêtises, où il y a Greyhound qui va débarquer à côté de Frodrine et dire « Ça y est, j'ai capturé les derniers humains », et où on les voit, là, dont Jericho, qui sont dans des sortes de cocons, on va dire,
Et il y a un mec des Pléiades des Céales d'Azur qui se dit, bah, je vais les libérer. Il donne un coup de flèche comme ça sur deux personnes, je crois, qui est dans le cocon. Et en sortant, en fait, elle se transforme instantanément en démon. Ce qui veut dire que ça va être compliqué de les sauver, les gens. Parce que si tu peux rien faire pour les libérer, c'est la loose, quoi. Suite à ça, il y a Doggedo qui va décider d'intervenir et qui va charger un de ses démons et le buter. Et là, en se retournant, en fait, on se rend compte qu'il va vieillir prématurément, je vois pas d'autre explication, et mourir tout simplement. Bon, là, cette scène-là, je trouve qu'elle était plutôt bien faite. On voit le mec se vieillir vite fait et puis devenir un truc super vieux et surtout super mort, quoi. Et tout le monde qui est sur le cul, avec Greyrod qui annonce que son commandement, c'est une dure à point, et que si on tue quelqu'un, c'est-à-dire qu'on lui vole sa vie, en gros, lui, il va voler votre vie, et vous allez perdre toute l'espérance de vie qui vous reste, ce qui veut dire que votre temps va être accéléré, et vous devenez un vieux cadavre, comme c'est le cas pour le pauvre Doggedo, quoi. Suite à ça, Greyrod va poser trois cocons, afin qu'ils éclosent, et dans ces trois-là, il y a Jericho. Seulement, le frère de Jericho, il est derrière, même s'il est mal en point, et il décide d'utiliser sa magie de gel, là, pour bloquer l'évolution en fait des cocons afin que Jericho ne se transforme pas encore une fois en monstre. Seulement, bah, ça va épuiser toutes ses forces restantes. Et si je dis pas de bêtises et si ce que dit Frodin est vrai, il va en mourir. Tout ça pour protéger sa sœur 5 secondes, c'est un petit peu triste. Hein. Mais heureusement pour lui, il fera pas ça en vain puisque derrière, il y a un énorme bloc de glace qui se crée et qui gèle tout le monde. Et on va voir que c'est Merlin qui le fait. Et alors là, mais je pense qu'on est tous sur le cul parce que qui s'attendait à un retour de Merlin maintenant? Dans l'idée, elle est toujours emprisonnée en fait dans le commandement de Galan. On sait d'ailleurs pas ce qui s'est passé, hein. On sait pas comment elle a fait pour s'en libérer, j'aimerais bien savoir. Mais on n'apprendra rien à ce sujet puisque l'action continue et Greyrod va décider de libérer des insectes, on dirait, en direction de Merlin parce qu'il estime qu'elle est dangereuse. Je sais plus les mots qu'il dit, je crois qu'elle est tout simplement trop dangereuse d'après lui. Et elle va faire quoi? Elle va défoncer les insectes. Ainsi que une des têtes de Greyrod, si je puis dire, avec un sort magique. Et là, Greyrod, il est super content, il se dit « Ça y est, tu t'es fait avoir, tu es sujet à mon commandement, tu ne tueras point, on va te voler ta vie. » Et là, Merlin, elle dit « Mais tu rêves, mon gars, c'est pas possible parce que j'ai un pouvoir que vous ignorez tous, qui s'appelle Infini, et qui fait que quand j'utilise un sort, en fait, tant que j'ai pas décidé qu'il s'arrête, eh ben il continue. Et j'ai décidé en fait d'arrêter ma vie. J'ai pas arrêté en fait d'utiliser sort, il est toujours actif, ce qui fait que je ne peux plus vieillir et tu ne peux pas voler le temps de quelqu'un dont le temps ne passe pas. Du coup, le petit Greyrod, il a un petit peu les glands vis-à-vis de tout ça. Et ça va pas s'arrêter là puisque Merlin, elle va annoncer que elle est la fille de Baladine, je crois, un truc comme ça, de Balaline, une ville dont on ignore tout en fait, mais où tous les démons vont être sur le cul. Ils vont dire oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, tous les démons, les Greyrod et Dreyfus, enfin, et Frodin qui est là, ils vont dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça se fait? C'est pas possible que ce soit toi. Et là, elle va balancer son nom, et là, Greyrod, il va dire, mon Dieu, c'est vraiment elle, et il va essayer de fuir. Tu te dis, là, les 10 commandements, c'est la première fois, bon, si, il y a eu Galan face à Escanor, mais, encore une fois, on voit des mecs qui se disent qu'ils sont tellement pas au niveau que même sur un malentendu ça peut pas passer et il décide de fuir, il décide de se barrer. Je trouve ça ouf, hein. Et Merlin, elle va utiliser un sort qui fait une sorte de tornade qui va détruire complètement le château et dans lequel en fait elle va réussir dans une petite fiole, on dirait un tube à essai, à enfermer Greyrod. Et là je me dis, mais c'est quoi la puissance de cette meuf? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors soit elle a eu un énorme power-up entre le moment où Galan l'a transformé en pierre et ce moment-là. Soit elle s'est foutue de notre gueule à l'époque de Galan, et si elle était capable de faire des trucs aussi badass avant, pourquoi elle a voulu gagner du temps face à Galan en lui pipotant? Elle aurait pu tout simplement utiliser ses sorts de ouf, et puis c'était plié, Galan il se retrouvait baisé quoi. Donc là vraiment, moi ça m'a un peu perturbé tout ça, il y aura peut-être une explication logique, ou alors peut-être que vous avez une explication rationnelle à me donner, mais je ne comprends pas vraiment, quand on voit les choix qu'a fait Merlin et qui l'ont conduit à se faire transformer en pierre par Galan, je ne comprends pas pourquoi elle a fait ce choix-là si elle était déjà aussi puissante à la base? Parce que là, visiblement, pour faire fuir Frodrine, parce que Frodrine aussi va fuir, et Greyrod, faut quand même être balèze, je pense. Hein. Et avec Galan, elle a préféré ne même pas essayer d'attaquer. C'est dire à quel point elle se sentait plus faible que lui. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'interprète personnellement. Et puis après, on va retrouver Frodrine qui a essayé de fuir, mais qui a été suivi par Hendrickson, qui ne veut pas le laisser faire. Et ils vont commencer un petit combat dans lequel le pauvre Hendrickson il va être dans la merde, et Zarathras là va débarquer. Et j'ai bien aimé cette scène parce que, même si c'est pas émouvant de ouf, on voit quand même que Hendrickson, il en a gros sur la patate. Il est en train de pleurer à moitié au moment où il se rend compte que c'est Zarathras, et j'ai trouvé ça fort. Dans les shonen, on n'a pas besoin d'avoir 10 minutes de blabla émouvant et triste. Là, rien que cette petite scène-là où on voit les larmes aux yeux
dans le visage de Hendriksen, moi ça suffit à me convaincre que ce passage-là est plein d'émotions et qu'elles sont très bien retranscrites. Mais bon, ça va pas s'arrêter là, hein. Y a un combat à mener, ils vont se battre contre Frodin, ils vont pas réussir à avoir d'ouverture pour que Zarathras utilise sa purge, et là en fait, Hawk, qui était toujours propulsé là par Derrieri, il va tomber devant Frodin, et Frodin va le choper en demandant ce que c'est, et là il va utiliser peut-être un sort de démon, j'imagine, sur la gueule de Frodin qui va être complètement désarçonné, et Zarathras va en profiter, il va le choper par derrière, et il va claquer une sorte de purge ultime qui va faire sortir Frodin de son corps, ce qui aura pour conséquence de libérer Dreyfus de l'emprise de Frodin et de pouvoir agir par lui-même. Et là, on va découvrir le physique de Frodin, mais c'est quoi ce monstre hyper chelou? Il ressemble à rien. On dirait vraiment les monstres qu'il y a dans la première série de transformation qu'on a là dans la saison 1. Quand Jericho elle se transforme en monstre, ça ressemble un petit peu à ça, je trouve. Et ce qui me choque vraiment dans ce truc-là, c'est que on l'entend parler, mais on ne voit pas la bouche se bouger. Il y a peut-être une explication logique, hein, mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est plus de la fainéantise d'animateur, même si c'est peut-être pas le cas et c'est normal que la bouche bouge pas. Mais ça m'a vraiment choqué. En tout cas, il y a un autre truc qui m'a choqué, c'est qu'il veut absolument retourner dans le corps de Dreyfus. Je ne comprends pas pourquoi. Parce que autant au début, il a fait ça pour donner le change, pour récupérer de la puissance, pour influencer le roi et les chevaliers saints. Donc il y avait une cohérence à rester dans le corps de Dreyfus. Mais là, maintenant, il n'y en a plus une seule. Pourquoi tu garderais le corps de Dreyfus? Il ne te sert strictement plus à rien. Les 10 commandements, on sait qui c'est, on sait qui y sont. On a peur devant eux. Il n'y aura plus d'effet de surprise, ça n'existera plus. Donc pourquoi tu veux pas rester en forme naturelle? Et la seule explication que j'ai trouvée à ça, et elle est un peu tirée par les cheveux, je dois le reconnaître, mais je n'en vois pas d'autre, c'est le fait que Frodin, il s'est attaché en fait à la vie de Dreyfus. Il s'est attaché à sa vie de famille, à son rôle dans la société, et surtout à son fils Grillamore, parce que quand Grillamore va débarquer, c'est lui le premier qui va se retourner et qui va dire « Oh, Grillamore, c'est toi !» Et là, en fait, tu as le sentiment en fait qu'il a des émotions pour lui, qu'il a des sentiments. Ce qui est vraiment surprenant, parce que t'as plutôt l'impression que les 10 commandements, c'est pas vraiment le genre à faire des câlins, quoi. Et pourtant, j'ai vraiment le sentiment, en voyant cette scène-là, que Frodin est attaché à Grillamore maintenant. Seulement Dreyfus, qui est libéré de l'emprise de Frodin, il décide de l'attaquer. Il fait un coup qui va le faire complètement disparaître, et il va se retourner vers Zarathras, qui découvre lui aussi pour la première fois, enfin pour la première fois depuis sa mort, on est d'accord. Et là, il va y avoir une scène que j'ai trouvée émouvante et très triste de mon côté, parce que Zarathras, je trouvais que c'était un personnage intéressant. Le mec, il était à la fois comique et à la fois badass, parce que quand tu vois là le combat qu'il fait, t'as vraiment le sentiment qu'il est très puissant, en tout cas, pas forcément du niveau des 7 péchés, mais assez pour pouvoir concurrencer par exemple Gilsander, je pense. Et quand on voit ça, on se dit, mais mince, fallait pas le tuer maintenant. Seulement, si Zarathras, il a bel et bien été ressuscité par Meraskila, eh ben il est là parce qu'il a des regrets. Et si ça se trouve, en fait, en réussissant à faire sortir le démon du corps de Dreyfus, eh ben il n'a plus de regrets, il a fait ce qu'il avait à faire, et il peut partir en paix. Il peut mourir en paix, si je puis dire, et se reposer pour l'éternité dans le ciel avec les petits oiseaux, les licornes, tout ça, tout ça. Enfin bref, il n'a plus sa place sur Terre. Et donc, il va disparaître. Et là, en fait, on va voir Frodin, il est pas mort, il est devenu gigantesque, quoi. Sauf que, ben, il y a Merlin qui débarque, et je me suis dit, en fait, quand j'ai vu ça, que Merlin allait se battre contre lui, et elle allait le mettre en PLS, mais totalement. Et finalement, c'est pas du tout ça qui s'est passé, en fait. Merlin débarque, et il va taper Frodin, qui va rien pouvoir faire face à lui, et seulement au moment où il pense avoir l'ascendant, à ce moment-là, on apprend que c'est un clone qui est qu'à que 30 000 de puissance, ce qui veut dire que Meliodas est au moins au double, donc à 60 000. Ça prouve un petit peu la puissance du gars. Et là, visiblement, Frodin, il est totalement paralysé face à lui. Tu sens qu'il est tétanisé par ce qu'il voit. Et de ce qu'on voit là d'ailleurs à propos de Meliodas, on a l'impression qu'il redevient en fait le démon qu'il était avant. Il explique qu'il va se nourrir de la souffrance de l'autre, enfin, j'ai plus les détails, mais en gros, il est content de faire souffrir Frodin. Et je comprends, du coup, Frodin, il a les pétoches, hein, parce que à mon avis, s'il s'était battu en 1v1 avant ça, bah, il aurait perdu. Là, maintenant qu'il revient du purgatoire et que visiblement, il a perdu une partie de ses sentiments, parce que il aime torturer les gens, il a la marque avec les yeux complètement livides, là, qui apparaît sur son visage, et il a une voix qui ressemble beaucoup à celle de Zedriss, hein. Faut voir dans les faits, j'ai pas réécouté celle de Zedriss récemment, mais j'ai vraiment le sentiment que c'est la même, quoi. Et là, du coup, on va arrêter l'épisode là-dessus, avec ce face-à-face entre Frodin qui est sûrement à l'article de la mort prochainement, et Meliodas. Au final, cet épisode, il était plutôt bien, hein. Il y a eu beaucoup de révélations, hein, notamment Merlin, même si ça suffit pas à combler les vides. Là, on a tellement de questions qu'on se pose. Comment ça se fait qu'elle a réussi à survivre au commandement de Galan?
pourquoi elle a ce pouvoir infini? Qu'est-ce qui fait que les démons étaient aussi impressionnés qu'elles disent qu'elle était la fille de Bellalium ou je sais plus le nom? C'est plein de questions sans réponse en fait, où j'espère qu'on aura la réponse très prochainement. Puis à côté de ça, par contre, il y a eu pas mal de scènes, il y a eu quelques petites scènes d'humour, des petites scènes d'action sympas aussi, même si je trouvais que l'animation était relativement light. Et il y a juste un truc qui m'a vraiment dérangé, c'est cette partie en fait qui a été tronquée dans le manga. Alors, vous me connaissez, hein, je suis pas un défenseur des mangas. Pour moi, les œuvres animées et les œuvres manga, elles se valent la plupart du temps. Il y a des avantages à suivre une œuvre manga, il y a des avantages à suivre une œuvre animée, chacun son domaine de prédilection et c'est pas un problème. Seulement là, c'est vrai que autant le coup de Meliodas qui est habillé, bon, je m'en foutais, et honnêtement, ça change rien à la cohérence. Autant là, le passage où on voit que derrière I, elle invoque ses démons pour qu'ils viennent sur son passage afin qu'elle les pète, et d'être à 52 de combo avant d'attaquer Mamahawk, je trouve que cette scène-là était intéressante, parce que d'une part, ça aurait expliqué encore plus l'exploit que fait Mamahawk et Hawk à survivre à l'attaque de derrière I, et en plus de ça, ça montrait le formidable potentiel de résistance et de Hawk et de Mamahawk. Moi, je trouvais ça très intéressant, alors que là, sans cette information-là, on ne sait pas qu'ils ont survécu à une attaque ultra badass. Bon, on se doute que les attaques des 10 commandements, elles sont balèzes, mais là, à ce point-là, c'est vraiment ouf gueudin. Et là aussi, on voit les passages avec Meliodas, qui a l'air beaucoup plus détaché, parce que, encore une fois, ça, c'est un truc qui manque dans l'animé, et pour la première fois, vraiment, je vais un petit peu critiquer l'animé, mais pas forcément sur l'action elle-même, mais sur les bulles de dialogue. Mais dans l'animé, enfin dans le manga, il dit en gros, si je me rappelle bien, autrefois j'aurais pas voulu te tuer, mais maintenant c'est terminé, adieu, et puis bam, il balance le full counter, alors que là, si je dis pas de bêtises, quand il fait ça face à l'attaque de mon spiette, il l'envoie juste dans les ciels en disant que, est-ce que tu crois que ça aurait marché contre moi? Ou alors j'ai raté une bulle de dialogue, mais je pense que c'est que ça. Et ça manque en fait ce genre de choses, parce que ça permet de montrer que Meliodas a été déshumanisé. Et je trouve ça vraiment intéressant, alors qu'à côté de ça, le passage qu'on voit et qui a été éludé dans l'animé où Grey Lord, il balance une attaque que Hauser va contrer et qui va le rendre aveugle et qui va perdre ses 5 sens, bah on s'en fout parce que 20 secondes après, Merlin, elle va le soigner, elle va le guérir, donc c'est statu quo, ça n'a servi à rien, donc c'est pas très grave s'il n'y a pas ce genre de choses. Mais par contre, les passages avec Meliodas, surtout avant avec Monspiet et Derrieri, j'ai trouvé vraiment dommage qu'il les élude. À côté de ça, par contre, le reste était vraiment sympa, hein. L'intrigue et tout, les révélations sur Merlin. Oh, mais les révélations sur Merlin, on n'en a pas appris assez, hein. Ça me rappelle d'ailleurs SNK, hein, où il bouffe un petit peu les petites informations qu'on a, il les donne par bride, et ça nous fait nous poser encore plus de questions, quoi. C'est quoi cette ville dont elle parle, et qui a l'air de terroriser les deux démons, là, moi je me demande vraiment, et j'espère qu'on aura des infos dans l'épisode prochain, mais j'ai de gros doutes, je pense qu'il y a plein d'interrogations qu'on va avoir et qu'on va garder, puisque là, il reste qu'un épisode et on ne le saura pas. Par contre, la question que je me pose, c'est est-ce que Merlin, elle a eu un power-up de folie entre le moment où elle a été transformée par Galan en pierre et maintenant, puisqu'elle dit qu'elle a fait ses propres expériences depuis, ou alors est-ce qu'elle avait cette puissance en elle depuis toujours et qu'elle s'en était pas servie alors qu'elle était consciente de l'avoir? Et du coup, ben, ça sert à quoi d'avoir essayé de gagner du temps avec Galan? Fallait y aller franco. Tu lui balançais tes sorts dans la gueule, visiblement t'es une ouf gueudin, t'aurais pu les buter. Là, c'est vraiment un truc qui me dérange, parce que on nous a tapé un entraînement où on a vu pas les 7 péchés capitaux, parce que c'est pas vrai, Ban il a pas participé, mais on a vu King, on a vu, non c'était pas Diane non plus, on a vu King, on a vu Gil Sander, on a vu Hauser, on a vu tous ces personnages-là qui sont rentrés dans la grotte pour s'entraîner, et en fait au final, qui est-ce qu'on a vu briller depuis le début des 10 commandements là? On a vu briller Meliodas, mais bon ça on s'en doutait, on a vu briller Escanor qui a pas participé, et maintenant on voit briller Merlin qui a pas participé, alors que les Troufions qui eux ont fait cet entraînement, ce power-up qui nous a fait quand même perdre 5 épisodes si je dis pas de bêtises, et ben ils ont rien fait, ils sont même pas battus. Les mecs, le seul moment où ils avaient l'opportunité de le faire, ils ont dit non, on n'a pas le niveau. C'est comme si tu voyais un épisode de Dragon Ball Z où t'avais, je sais pas moi, Krillin et Yamcha, pendant 5 épisodes tu les vois s'entraîner en boucle pour s'entraîner pour affronter les cyborgs, et l'épisode d'après, quand tout le monde se fait mettre en PLS par les cyborgs, t'as Krillin et Yamcha qui restent sur le côté et qui font « Oh non, on n'est pas assez fort !» Et là tu te dis « Mais pourquoi je me suis mangé 5 épisodes avant pour voir l'entraînement si ça n'a abouti à rien ?» Et là pour l'instant, honnêtement, l'entraînement qu'ils ont fait, en dehors du power-up qu'a eu Meliodas, n'a servi à rien. Cet entraînement-là, ces 4 ou 5 épisodes qu'ils font où ils arrêtent d'attaquer les 10 commandements, enfin de chercher à vaincre les 10 commandements pour s'entraîner, il n'a rien apporté quasiment. Je trouve ça vraiment très dommage, d'autant que c'est sans doute le passage qui m'a fait un peu lâcher Nanatsu à un moment, et c'est dommage en fait de voir que, avec les informations qu'on a là, on se rend compte qu'il était totalement dispensable.
Quoi qu'il en soit, et malgré ces quelques critiques, eh ben j'ai beaucoup aimé l'épisode. Le rythme était sympa, il y avait beaucoup de blagues, l'animation était franchement cool, même si tout n'était pas parfait. Les révélations qu'il y a eu sur tous les sujets, comme je l'ai dit avant, hein, Merlin, Greyrond, Meliodas, tout était intéressant et tout laisse plein de portes ouvertes à interprétation pour la suite. Et j'ai vraiment hâte de la voir. Là, je me dis, je ne vois pas comment on peut finir l'épisode 24 parce que, pour qu'il soit en tout cas épique, parce que quand on a vu là ce qui s'est passé dans l'épisode où Meliodas meurt et où là les révélations de Merlin, même si ça reste relativement light, je me dis l'épisode d'après, sans forcément faire un combat de ouf gueudin, il faut qu'il y ait un truc qui soit impactant en fait pour la suite, et je ne vois absolument pas ce que ça peut être pour que cette saison-là finisse en apothéose encore plus forte que le combat d'Escanor, la mort de Meliodas ou encore l'apparition de Merlin. C'est tout pour ma review, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, ajoutez un pouce bleu, ça me fait toujours plaisir, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et puis partagez-la si vous trouvez que mon avis est digne d'intérêt. Rejoignez-moi également sur les réseaux sociaux, je mettrai un petit lien dans la description. En tout cas, moi je vais vous laisser ici, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss.